Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 1, donc on va faire un petit coup de multijoueur, donc vous allez vite pleurer, attendez je bouge un peu le micro, vous allez vite pleurer sur mon niveau, on va faire partie rapide, on va pas se faire chier. Je sais pas. Allez, on va faire ça. Vous allez vite pleurer quand vous allez voir mon niveau. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Dans la vidéo solo. Mais je m'en fous de ça en fait. Ah, c'est parce que ça recherche, d'accord. Donc vous allez vite vous rendre compte que mon niveau, il est. Pourrave, je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo de la bêta, vous l'avez déjà compris. Par contre, je vais pas faire la même erreur, c'est-à-dire que là, je vais aller tout de suite dans les paramètres et augmenter la sensibilité parce que sinon, ça va être la misère. Ce qu'il me faudrait, c'est une manette où on peut bloquer les gâchettes. Pour avoir moins d'enfoncement sur la gâchette. Ce serait pas mal. Comme sur les manettes SCUF, tout ça, enfin les manettes de compète et tout. Moi j'ai pas besoin d'une telle manette, mais juste de pouvoir bloquer la course des gâchettes, ce serait bien. Ça me paraît être un truc pas mal. Bon, c'est un petit peu long par contre, vous voyez ce chargement. Un petit peu dommage. Donc j'ai même pas encore joué en multi au jeu parce que bon, au boulot on m'a encore changé d'équipe, c'est le bordel. Du coup je me fais des après-midi pour la troisième semaine de suite. C'est un peu compliqué, sachant que la semaine prochaine je travaille pas lundi et le mardi est férié, mais dès le mercredi je retourne de l'après-midi puisque je retourne dans mon équipe et que mon équipe sera de l'après-midi, donc ça fera 4 semaines de l'après-midi. Ça commence à être long là et à être compliqué. Donc j'ai pas pu vraiment jouer au multi. Ah, quand même. Par contre, je crois que j'ai même pas coupé. Ouais, on va rejoindre. Alors attendez. Non, on va prendre assaut. De toute façon, on peut pas voir les paramètres là si on se déploie pas. Donc je vais aller voir maintenant. Option, commande. Et donc c'est celui-là qu'il faut bouger. On va se mettre à 50 pour voir. D'accord. Donc je suis arrivé dans une partie terminée. Après un temps de chargement aussi long. C'est pas mal ça, dis donc. Voilà, là c'est beaucoup plus sensible, ça l'est peut-être même un peu trop maintenant. Mais donc on se retrouve enfin. Alors comment on s'accroupit comme ça? Ok. Ok. L'ennemi est en tête. Donc il y a un mec qui attend déjà avec le snipe. Je peux pas trouver un autre endroit pour me déployer? Non. Oh merde, je vais me tuer là. Oh non, je me suis pas tué, bah putain. Là, j'ai peut-être un petit peu trop augmenté la sensibilité par contre. Là. Bon. Là, j'avoue que là, je peux pas aller. Si, je peux y aller pendant que je suis mort. On va essayer comme ça. Là j'avais peut-être un petit peu trop augmenté. Bon après je vous l'ai dit hein, je suis pas joueur du jeu à la base. Donc je suis très mauvais. Je veux simplement vous montrer comment ça se passe
en multijoueur. Après, voilà, je suis pas là. Et surtout, vous montrer que même en multi, c'est très très propre graphiquement. Bon, lui, je l'avais vu, mais trop tard. Excusez-moi, j'ai le nez bouché aussi. Ça, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, à cette période de l'année, j'ai tout le temps le nez bouché. Tiens. Ouais, c'est quand même mieux quand on augmente la sensibilité, hein. Mais pas trop non plus. T'es un fou, toi. Alors lui, il est parti par là, mais je sais pas s'il y a vraiment moyen de rentrer quelque part par là. Ah bah si, visiblement. On va aller avec lui. Et on va essayer de pas être trop mauvais non plus. Alors, je l'ai simplement touché, là. Je l'ai pas eu. Mais bon, on va essayer de se concentrer un petit peu, là, parce que... Il est où? Oh merde, je suis tombé. Un kit de sentinelle est disponible près de votre position. J'ai vu un mec s'arrêter là-bas. Ça sent le snipe. Non. Ah, bon, dommage. Dommage, dommage, mais oui, il faut absolument, moi je pense, augmenter la sensibilité quand vous arrivez. Est-ce que je peux... Non, 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 non. Oula. Voilà. C'est un truc absolument à faire. En assaut, c'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Je suis désolé, je tréfouille au réglage en même temps. Mais bon, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout un... Voilà. Un habitué du multi de BF. Ils étaient deux, là, je crois bien. Ouais. Donc, il faut que je tréfouille en même temps. On va essayer d'autres classes. On va essayer soutien. Voilà. J'espère qu'on peut viser avec ce machin. J'ai pas de grenade. Ah si. Ah, je l'ai vu ce con. Putain, il a réussi à me niquer. Nous sommes à mi-chemin. Nous devons tout donner. On va continuer en soutien pour voir. Il y a une grenade qui est arrivée par là. L'autre là-haut, il m'a défoncé. Encore une fois, on voit qu'on est sur une version console et que ça tourne quand même plutôt bien et que c'est plutôt joli. Moi, j'ai cette particularité, c'est d'être objectif par rapport à beaucoup d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui jouent sur PC. Ils vont vous dire que là, c'est horrible parce qu'ils savent que c'est sur console. Alors que si on leur disait c'est sur PC... Ils y croiraient et ils vous diraient « Ah ouais, c'est trop beau ». Donc, il y en a parce qu'il y en a beaucoup... Quand ils voient des trailers et tout, si on leur dit que c'est sur console, ils vous disent direct que c'est horrible. Alors que si on leur dit que c'est sur PC, même si c'est sur la console, ils vont vous dire que c'est trop génial. Ah merde, c'est un snipe ça.
Ah ouais, bah là on est dans la merde par contre. Je sais absolument pas jouer sniper. Ça c'est un truc. L'ennemi a presque gagné. Je sais pas faire et j'aime pas ça. Oh le bâtard. Il m'a eu avant. Je l'ai touché hein, mais... Ouais, je sais pas jouer sniper. C'est... Enfin, je sais pas jouer tout court, mais alors sniper, c'est encore pire. Ouh, il est là-haut, ce coin. Je l'ai vu. Oh! Ah, mais ils sont planqués de partout, les salauds. Ah, il est planqué là-haut. Il attend au point de spawn, le mec. Il a pas de face. Les mecs, ils ont pas de face, ils attendent au point de spawn, il y en a un là-haut. Bon, on a perdu. Les musiques sont stylées aussi, hein. Moi, ce que je ferai, c'est qu'on va faire 2-3 parties et je ferai des coupures à chaque fois pour les temps de chargement et tout. Bon, alors, on se retrouve. Nouvelle map. Ça a l'air plutôt joli, là aussi. Notre camp est en tête. Je me fais tirer dans le dos, les gars. On va s'accroupir un petit peu aussi, c'est un truc que je fais jamais. Oh putain. Je balance une grenade. On balance des grenades de gaz à la gueule, ces cons là. Je vous l'ai dit de façon, hein, je suis pas un PGM du multi des FPS, hein, pas du tout. C'est pas du tout ma grande passion, en plus moi je suis plutôt un joueur solo ou à la limite de jouer à deux sur la même console. Ça me plaît bien. Mais bon, voilà, je suis pas du tout. Je suis pas du tout un fou du FPS en ligne à la base.
C'est ouf comment ça pète quand même. Hein. C'est vraiment bien fait. Même en multi, le jeu il est quand même assez beau. Nique ta maman. Un kit de sentinelle est disponible près de votre position. Allez. On va essayer de faire un truc à peu près correct. Oh l'enfoiré. Bon, il spawn là où il y a de l'action tout de suite. Ça tire dans tous les sens même. Par ici. Ouh là là, j'adore les effets d'explosion et tout dans les BF. Bon là j'y étais un peu au suicide. Hein. Là c'était impossible que ça passe. Ouais, fallait pas me réanimer ici. Hein. Enfin, c'était gentil mais ça me paraissait compliqué. Merci à celui qui m'a réanimé. Allez, on va se casser d'ici, on va faire le tour. Allez, j'ai tiré là, je sais pas pourquoi, j'ai tiré par réflexe un peu. Oh putain. Bon là, j'ai pas eu le temps de m'échapper, hein. Je crois que de reculer, j'ai pris la mauvaise décision, j'aurais dû avancer. Donc c'est bien un enfoiré de chez eux là-haut. Ah merde. Putain. Nous en sommes à mi-chemin. Nous devons. Quelle classe je vous ai pas montré ces médecins, je crois qu'on n'a pas pris. J'entends des tirs me fuser dans le cul là. Faut qu'on se tire d'ici. C'est un conseil que je vous donne les gars, ne restez pas ici. Bien joué.
Oh là là. La catastrophe. On va pas garder médecin. On va reprendre assaut. C'est bien ça. Attaque suicide. On a trouvé une pièce avec des munitions, visiblement. Ils sont partout, ces cons-là. Je me rappelle, le seul jeu dans lequel j'ai réussi à faire des bons scores en ligne, un FPS comme ça, c'était la bêta de Black Ops 3, parce que je ne joue absolument pas à Call of. Et dans la bêta... Dans la bêta, j'avais réussi à faire des scores à un moment donné dans une partie, à finir premier et deuxième de mes équipes à chaque fois en faisant des bons scores. Et j'ai pas compris comment, parce qu'après, quand j'ai rejoué au jeu quelques mois après chez un pote, j'étais super mauvais. Donc j'ai pas bien compris ce qui s'était passé ce jour-là, comment ça se fait que je faisais des tels scores. Oh merde. Putain, ils sont cons, hein. Bon, eh, je les ai eu quand même à la nique, hein. Ils m'avaient pas grillé, hein. Mais voilà, donc pour vous dire que même je joue même pas à Call of et j'avais réussi à faire des scores corrects. Et les musiques, elles sont géniales. Et c'est encore la défaite. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous aurais montré que le match à mort, mais bon, après, c'est toujours les mêmes principes. Hein. Enfin, dans tous les modes, c'est un peu comme tous les BF, c'est le même principe à chaque fois. Comme ça, vous avez vu deux maps. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.